Et voilà, la vidéo est relancée. Hop, tic, tic, on est reparti. On va pas faire 30 minutes cette fois-ci, on va faire vers 20 minutes. Et on continue. Putain, ça fait du bien de savoir qu'on a avancé, quoi. Enfin! Je n'en puis plus. Voilà. Un super missile tank quiet. Allez, super. Alors maintenant, on va sauvegarder, hein, parce que sinon, on va jamais y arriver. Là, si je meurs maintenant, je serai déçu. Je serai très déçu. Je vous mens pas, je serai très déçu. Donc on va pas jouer trop rigolo là, on va faire attention quand même. Ah, le rocher là, il nous bloque le passage. De toute façon, il nous a jamais bloqué le passage. Lui non plus. C'était... Ah, mais il n'y a plus la lave même. Même la lave, il n'y a plus. Eh ben, dis donc. C'est bien ça quand même. Hein. Et là, voilà. Et là, on est toujours bloqué. Ah, on n'est plus bloqué. Fou, j'ai peur. Allez, on court à la sauvegarde. On était quand même bloqué par l'autre côté. Hein. Vous inquiétez pas, hein. Je vous ai pas montré, mais on était bloqué par l'autre côté. Hein. Enfin... Quand il y avait la lave, on était bloqué aussi par l'autre côté. Hein. C'est pas juste moi qui m'étais planté. Vous inquiétez pas pour ça. J'avais fait la vérification avant. Bon, ça fait plaisir de savoir qu'on a enfin un peu avancé, quoi. Enfin, ce boss, on l'a fait. Mais le fait de ne pas voir la barre d'énergie des boss ou de pas savoir à peu près jusqu'à quand et à peu près à quand ils se comment ils s'ils s'affaiblissent ou pas, le fait de pas voir s'ils s'affaiblissent, c'est très embêtant quand même, parce que du coup on sait pas, enfin on sait via les clignots, via les, allez mais fais pas ça, on sait via les clignotis clignota que du coup on a touché le boss, donc ça déjà c'est déjà pas mal. Mais on sait pas si on l'a touché grandement ou... Vous savez, il y avait des... Dans les anciens jeux, il y avait... Enfin non, dans les jeux récents aussi, il me semble. Bon, dans les jeux récents, il y a possibilité d'avoir des... Je pense des barres de vie, mais... Dans les anciens jeux, il y avait un système, c'était... petit à petit, le sprite changeait. Dans certains anciens jeux. Le sprite du méchant changeait. Donc, des fois, il faisait une tête... Soit il clignotait en rouge, tout simplement, hein, pour dire que pour dire qu'il avait été touché, mais pour dire aussi qu'il commençait à être pas bien, je crois. Et puis il y avait aussi la possibilité... j'essaie de trouver mes mots, excusez-moi. Parce que je réfléchis et je joue en même temps. Oui, voilà, il y avait le sprite du héros qui changeait, c'est-à-dire que par exemple, il avait une tête super heureuse au début du combat. Et que maintenant, comme on est à la fin du combat, il commence à avoir une tête plus très très heureuse. Donc du coup, il fait un peu la gueule. Et donc du coup, on comprenait quand même qu'on avançait au niveau du combat. Voilà, là, hop, et maintenant on peut aller à gauche. Excusez-moi, messieurs. On peut aller à gauche, c'était bloqué, maintenant ça l'est plus. Voilà. Allez, nouvelle zone, parfait. Oh! Sally go! Hop 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 hop! Allez, j'ai pas vu qu'il y avait une plateforme. Même dans la lave, les bestioles elles vivent. Putain. Je me demande s'il y a des gens qui ont essayé de faire des. Metroid, tu sais, mais nos dégâts. Sans dégâts, tu te débrouilles, tu n'as pas de dégâts, tu n'as pas le droit, voilà, tu te démerdes. Allez, bonne soirée, bonne journée à vous. Voilà, on a visité toute la zone, on est bon. Allez, allons à droite. Allez, à gauche. Oh, une sauvegarde, parfait. Nous évitera d'ailleurs monter là-haut à chaque fois.
Dommage qu'on puisse pas se téléporter entre les sauvegardes. Ça, c'est chiant. Parce que des fois, à refaire tout le trajet pour rien, pas passionnant. Non, attendez, je vais voir s'il n'y a pas une bombe. Non, parce que je voulais voir. Attendez, on va faire une super bombe. Coûte rien, de toute façon, on a la sauvegarde à côté. Non, ok. Mais c'est bon. On continue sur la lancée, on se fait plaisir, on avance, ouais. Allez. Allez, on va aller à droite. À droite cette fois-ci. Allez, Samus. Aran. Voilà, on est bon. Oula, il commence à faire sombre. Là, il n'y a plus de lave. Là. Qu'est-ce que c'est ces boules là? Oui. Ah. Voilà. Oh mon dieu. Un asticot était caché. Je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à voir, ça va tellement vite, je sais pas ce que c'est. Ah oui, en fait, je pourrais marcher comme ça, ce serait plus pratique. Ce serait plus chiant, mais ce serait plus pratique. Voilà. Ouh, la zone des yeux. Ouh, la zone Halloween. Ah ouais, ça fait un bruit d'œil hein, quand même quand tu marches. Un bruit de pâteux. Là. Combien de Metroids dans la zone? 3 Metroids detected in the area. J'espère qu'il n'y aura pas de Metroid Omega, parce que quand même, c'est très chiant. Les Metroid Omega, il faut l'avouer. Écoutez-moi cette musique quand même, elle est bien. Elle est super bien comme musique. Du. Allez, tous ensemble. Merde. Bon, ben, pas tous ensemble. Tant pis. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont comme des lucioles, mais en beaucoup plus moche. Et qui aiment les yeux, apparemment. Des lucioles avec des yeux, ou peut-être pas, des lucioles sans yeux. Je ne sais pas. C'est une grande... Pourquoi on est bloqué? Bizarre, là, la caméra elle réagit bizarrement là. On dirait qu'il va y avoir un combat un jour ou un truc qui va tomber. Là. Ou il y a peut-être un truc caché, attendez. Ah, un truc de boost, hein, allez. Hein. Peut-être on va avoir le pouvoir du boost hein, cette fois-ci. Hein. C'est vrai que ça devient chiant quand même de pas pouvoir booster comme on veut. Pipi pipu. C'est pas très bien arrangé là. Non, pipi. Bon, merde. Ouais, pipi pipi, c'était maintenant. Voilà, logiquement. Voilà. Logiquement, le mode Boomerang V2 sera beaucoup plus accessible pour nous et on pourra récupérer tous les power things we forgot. Ah, le nest. Cette zone est infectée. Avec des fic, je sais pas ce que c'est, et nest, je sais pas non plus d'ailleurs, des masses globuleuses composées la plupart, enfin, composées principalement de carbohydrates cristallisés. Ceux qui ont yet
Ceux qui ont pourtant essayé Harden. Putain, il faudrait que je cherche la traduction en fait en français hein, du jeu. Ceux qui ont pourtant essayé de marcher dessus, en gros, il me semble, de poser les pieds dessus, sont constamment déplacés par le flux d'air créé par les mouvements fluides, on va dire, des créatures aux alentours. Seulement les formes de vie les plus qui se sont adaptées. Thick et épais. Ah oui, thick et fine, merci. Avec donc d'épaisses globes de machin. Alexion rejoint le navire. Comment vas-tu, Alexion? Nest, nid. Donc ça, c'est le nid. Donc c'est le nid avec plein de deux. Et Harden, durcir. C'est logique. Merci. Merci, Xanagi. Notre dictionnaire anglais aujourd'hui. Donc seulement les formes de vie qui s'adaptent peuvent vivre, finalement, peuvent survivre dans cet écosystème. Voilà. Donc nous sommes into the nid. And into the nid, we have some soucis. Because into the nid. Voilà, hein. Font pas chier les bestioles là. Hey Matelot, comment ça va Alexion? Ça va bien, ça va bien, ça va bien, si ça va bien. Alors tout va bien. Tout va pour le mieux. En plus les petites plateformes, des fois c'est des petites bubules. Des petites bibules. Bon. Ah j'ai cru qu'il y avait un truc écrit en dessous de moi, mais c'est juste mon t-shirt. Voilà. Ah, c'est des petites bubules hein, des fois. Écoutez, on va descendre au plus bas. Voilà. Ah bah voilà, bah on a bien fait, regardez. Regarde. Mais donne-moi de la vie. Merci. Pipi pipu. Pipi pipu. Yop. Regardez, c'est dans des petites bulles. Petites bulles. Petites bulles. Des petites bulles. Là, par contre, ça sent le Metroid. The Metroid. The Metroid is here. No? It's not here? It is here. Allez! Of course, it is here. Ah non, it is not here. Bon, ben, on va aller en bas. Ah, de la lava en fusionna. Maintenant qu'on peut y avancer, on en a rien à foutre, X. Non, mais ça, ce sera la suite du niveau, vous voyez. Quand on aura battu les 3 métroïdes, on devrait pouvoir aller là. J'ai trouvé une solution pour regarder les streams sans faire friser mon ordi. La tablette. Ah, bah oui. Finalement. Évidemment. Faut bien qu'elle serve, cette tablette. Bon, j'avoue que moi, à part jouer à Fallout Shelter dessus, et encore là, je me suis un peu calmé parce que c'était chiant. Oh non. Oh non, 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 c'est une zone toute droite et toute plate. Non! Non! On a mis 20 ans à la tuer avant, on va pas refaire. Faites chier. Bon, allez. Ah, il faut sauter comme des cons là. Putain. Là, je peux même pas m'accrocher à une zone là de sécurité là. Faites chier. Allez vous faire en papa outé là. Mais oui, en plus il me jette du feu et comme ça je peux plus tirer. Bon attendez, on va utiliser le verre et puis voilà. Regarde-moi, laisse-toi viser. Mais non, voilà. Viens faire bisous à papa. Merde, putain, si je saute pas aussi, moi. Mais arrête de vouloir donner des coups de pied. Arrête de vouloir donner des coups de pied. Mais putain, mais oh. Mais je peux pas déflagrationner, en plus. Si je pouvais, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais regarde, j'utilise toutes mes super armes et ça marche pas. Il est mal fait. Il est mal fait, ce monstre. Il est mal fait. Excusez-moi, je vais mourir devant. Je préfère mourir devant vous comme un con pour vous montrer que j'ai pas envie de le battre de nouveau. Voilà. Putain.
J'ai pas envie. J'ai pas envie de battre un alpha oméga là. Putain, attends, après on va avoir les formes, on va avoir des formes zeta ensuite. Tu vas avoir des formes zeta, ça va être limite la taille d'un. Ça va être la taille d'un bâtiment quoi. Non! Je n'ai pas envie. Je ne veux pas. Allez, refuse. Attends, donne-moi mes 3 de vie qui me manquent, toi. Scalope là. Voilà, merci. Font chier, hein. Je suis sûr qu'il y a une arme là qui pourrait m'aider. Une arme qui pourrait m'aider, qui pourrait me permettre d'aller. J'ai pas envie. Envoie un hydrocanot si tu vois ce que je veux dire, ça fait très mal contre les feux. Mais c'est pas une histoire de feu, il est pas en feu, et c'est pas un Pokémon en plus. J'ai pas envie. Oh là là. Je me suis fait chier. J'ai fait 3, 4. J'ai dû faire même 6 vidéos sur ce putain de monstre. Je vais pas en refaire 6. Non mais oh, ça suffit là les amis. J'ai dû rater quelque chose, hein. Peut-être que si je me mets comme ça et après. Ce finalement. Ça je le vise bien aussi, hein. Allez, Saminou. Mais attendez, il faudrait peut-être que je prenne les trucs. Voilà. Attendez, j'attends qu'ils reviennent. Ah merde. Oh putain, mais attends, je vais lancer deux. Voilà. Ouais, bah écoutez, hein, je fais comme ça, hein, parce que j'ai pas d'autre moyen. Hein. Mais obligé de lui tirer dans la boule quand même qu'il a au centre du. De l'estomac, quoi. Allez, mais meurs, meurs, mais personne ne t'aime. T'as pas compris qu'on te tuait parce qu'on t'aimait pas? Tu crois qu'on te tuerait si on t'aimait? Regarde, j'ai plus que 2 de vie, voilà, j'ai plus que 2 de vie, allez. Mais meurs, meurs, fais-moi plaisir, meurs un peu, au moins meurs un peu. Meurs pour tonton. Meurs pour tonton DNA, s'il te plaît. Putain. Putain, parce que là, à peine il fait un saut et je meurs. Là, je me prends un monstre là-bas, là, je suis mort. C'est chier. T'es un monstre de merde, hein. Je te souhaite 30 ans de malheur, comme... Et voilà! Comme le dit Benzaï. J'ai pas envie de le faire, ce monstre. J'ai vraiment pas envie. Bon, écoutez, on va pas le faire tout de suite. Il doit nous manquer un pouvoir, c'est... Ok... Oh. J'ai pas envie. Pas envie, on est dans une zone encore plus petite. Et ils ont cru que ça y est, on pouvait battre des monstres comme ça alors que ça avait l'air d'être un boss final de fin de niveau. Ça avait l'air d'être le boss final des internets et tu nous donnes ça à nous battre. Non, c'est bon, hein, ça suffit à hein, les conneries. Hein. Si les trois sont des monstres comme ça à battre, ils refusent de catégorie Kali. Hein. Il vous le dit tout de suite. Hein. Bon, mais on n'a pas le choix! Allez. Mais. Du sel! Regarde, voilà, là, tu vois, là, voilà, là. Là. Mais va te faire. Mais. Viens, viens mourir sous. Viens mourir sous. Attends, peut-être que je peux faire ça. Si, si, reste ici. Mais ça ne sert à rien. J'ai pas envie de le battre ce monstre. Je ne peux pas le battre. Je ne peux pas le battre simplement. Je suis obligé de me faire chier pour le battre. Je n'ai pas envie de me faire chier pour le battre. Voilà, regarde-moi ça. Je perds 36 millions de munitions ultra, ultra perfectionnées que j'en ai que 8. Pour rien. Urgh. Chier. Et lui, il est content parce qu'il me regarde comme une tête de chien là. Ce con. Tue-moi, c'est bon. Peut-être que le troisième ne sera pas comme ça. On va voir. Putain, mais ça par contre, ça c'est une grosse merde. Et ça c'est vraiment. Ah, le niveau grosse merde, ça.
ça nous infliger ça quoi. On vient de se faire chier, hein, on vient de s'en taper un là. On vient de s'en taper un, qu'on n'y arrivait pas, et là il faut qu'on s'en tape 3. Heureusement qu'on doit pas se taper les 3 de suite. Heureusement ils ont été gentils. Mais purée, non. J'ai pas envie de m'en faire 3 là. Je n'ai pas l'état mental pour m'en faire 3. Laissez-moi respirer. Donnez-moi des mini, des petits cons là, et puis c'est bon. En plus, ils sont super longs, cette sac à PV, ils sont super longs à tuer, ces cons. Et pourquoi toutes ces salles, elles sont organisées comme ça? On dirait qu'il y a des monstres qui vont sortir. Non! Et toi, t'es un... Oui, oui, oui. Bon, allez. Voilà. Bon, ben on en a 3 à faire. Ben on le fera dans la prochaine vidéo. Je coupe pour YouTube, mais sur Twitch, ça continue toujours. Et ben à la prochaine vidéo, parce qu'on a du pain sur la planche. Hein. On a du pain sur la planche. Hein. Allez, au revoir.